Bonjour à tous. Si vous recherchez des idées, des conseils, des astuces en couture ou bien des tutos avec leurs modèles, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une petite robe droite nouée devant. Si vous souhaitez être averti dès qu'un nouveau tuto paraît, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui apparaît en bas à droite. Passons au modèle. Pour ce modèle, j'ai utilisé du jersey imprimé 1,50 m pour réaliser le devant, le dos et les petites manches et 50 cm en jersey uni. C'est largement suffisant pour faire l'empiècement devant. J'ai également utilisé un biais pour réaliser le contour de l'encolure. Ce modèle, vous pouvez le réaliser dans une version droite plus longue ou bien dans une version beaucoup plus ample. Comme sur cette photo, c'est un modèle que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Si vous optez pour la version cintrée, je vous ai préparé un petit tuto pour que vous puissiez réaliser les pinces facilement et de la même hauteur. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit « i » qui apparaît en haut à droite ou bien sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Mais maintenant, passons au tuto. Je commence par plier mon tissu en 4 pour réaliser le devant et le dos de ma robe. Je vais positionner mon t-shirt. Pour le positionner correctement, je prends la longueur de la robe souhaitée à partir de mon encolure dos jusqu'en bas. Je rajoute 2 cm pour les valeurs d'ourlet. Pour ma part, j'obtiens une hauteur de 95 cm. Je positionne maintenant mon t-shirt sur lequel j'ai ma ligne de poitrine, sous-poitrine, taille et de bassin. Je commence par dessiner ma ligne d'épaule. Je trace maintenant mon encolure. Je positionne mon équerre contre les milieux devant. Je fais un trait de 7 cm. Et je redessine l'arrondi de mon encolure. Sur ma ligne de poitrine, je prends mon tour de poitrine divisé par 4, plus les valeurs de couture. Je positionne mon équerre contre les milieux devant. Tout contre l'équerre, je prends ma règle et j'indique la valeur que j'obtiens par un point. Je refais la même manipulation pour ma ligne de bassin. Tour de bassin divisé par 4 plus valeur de couture. J'indique le point. Je dessine la ligne de bas de robe, donc équerre contre les milieux devant. Je trace un trait, je l'agrandis pour obtenir le bas de robe. Je trace un trait. J'indique la fin de ma ligne d'épaule par un point, le bas de mon emmanchure. Je fais un point. Au niveau du point de bas d'emmanchure, je fais un aplat de 1 cm. Et ensuite, je reprends mon perroquet pour redessiner mon emmanchure d'eau. Et hop, je la positionne de façon à ce qu'elle passe par les deux points et c'est parti pour le trait de mon emmanchure dos. J'indique un trait au niveau de la sous-poitrine, je fais un trait sur mon tissu, je fais un point sur les milieux, je peux dessiner ce trait de suite. Il va m'aider par la suite. Je dessine maintenant ma ligne de côté, je prends mon équerre contre ma ligne du bas. Tout contre cet équerre, j'ai ma règle qui va passer par le point de ligne de bassin. Je trace ma ligne de côté perpendiculaire à la ligne du bas puisqu'on réalise une robe droite. Maintenant, je reviens sur ma ligne de taille. Je trace un point au niveau de ma ligne de taille sur le tissu et ainsi que sur les milieux. Je fais un trait sur le tissu. Maintenant, pour que vous voyez bien au niveau de la ligne de taille ce qui va se passer, je la dessine. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, voici le trait de ma ligne de taille. J'indique sur ce trait mon tour de taille divisé par 4 plus la valeur de couture. Et là, que voit-on? Une super différence entre mon tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche. Donc, on va être obligé de réaliser des pinces. Et à ce sujet, je vous ai fait un petit tuto que vous pouvez voir en cliquant sur le petit « i » en haut à droite pour la réalisation de ces pinces.
Je vous retrouve tout de suite après. Je dessine maintenant ma ligne de sous-poitrine, si ce n'est déjà fait. Les tracés de mes deux dos sont réalisés, je passe à la coupe. Je prends ensuite une partie, la partie où la ligne de sous-poitrine a été tracée, et je replie correctement mon nouveau devant. Une fois que c'est fait, je coupe sur ma ligne de sous-poitrine et hop, c'est parti. Maintenant, sur cet empiècement, je vais faire un point à 16 cm sur mon milieu de vent. Je retrace ma nouvelle encolure à l'aide de mon perroquet. Je déplie mon empiècement et à 5 cm, en partant du bas, je fais un point sur le côté. Et je continue la courbe de mon devant. Je mets toujours de mon perroquet. Je finis le tracé en ligne droite, j'approfondis mon emmanchure de 1 cm puisque là ce sont les deux empiècements devant et je coupe. Sur un tissu plié en deux, dans le sens du droit fil, je redessine mon empiècement devant. Je fais tous les contours. Et ensuite à 1,5 cm du bord, je trace un trait. Et je descends correctement mon empiècement sur cette ligne. Je retrace les deux lignes de côté. Et je passe à la coupe. Mes deux empiècements devant maintenant sont coupés. Je les replie en leur milieu. Et à 1,5 cm du bord, je fais un trait que je vais cranter par la suite. Ce crantage est très important car il va m'aider à réaliser le noué du devant. Je reprends le bas devant de ma robe et je fais un cran également à 1,5 cm. Maintenant, nous allons passer à la réalisation des manches. Sur mon tissu plié en 4, je vais dessiner une perpendiculaire au milieu des manches. Je prends mon équerre et je trace un trait. Je fais ensuite un point à 15 cm. Je pose ensuite le haut de ma manche de mon t-shirt tout contre ce point. Je replie ma manche. Et je dessine l'emmanchure en pointillé. Je fais un aplat de 2 cm sur le haut de ma manche et je redessine la courbe de mon emmanchure en m'aidant de mon perroquet ou pistolet. Je trace donc cette courbe au niveau du bas de mon emmanchure. Je retrace le trait légèrement en oblique. Je retrace la courbe du bas de ma manche et je passe à la coupe. Je déplie ma manche et sur le milieu devant, je l'approfondis de 1 cm et je retrace la courbe à l'aide de mon pistolet. Je crante le milieu devant de ma manche. Maintenant, passons à l'assemblage. J'épingle toutes mes pinces devant, dos et je les pique. Une fois que c'est réalisé, je vais assembler mes deux empiècements devant et dos sur l'envers au niveau des épaules. Je commence par épingler, je les pique en piqûre droite et piqûre zigzag. Je pose ensuite un biais au niveau de mon empiècement devant. Ce biais va passer donc par un bout de l'empiècement devant droit, par le col et se finir de l'autre côté. Le biais posé, je vais maintenant retourner une partie de mon empiècement devant, je vais m'aider de mes crans, j'épingle, je plie bien sur le milieu, j'épingle le tout
et j'assemble jusqu'au cran. Une fois que la piqûre est réalisée, je retourne. Je vais passer par la fente l'autre partie de l'empiècement devant. Je le replie sur son milieu. Je mets des crans que j'ai réalisés précédemment. J'épingle et j'assemble jusqu'au cran. Une fois que les piqûres sont réalisées, je reprends le devant de ma robe au niveau du haut que je vais épingler avec l'empiècement en m'aidant des crans. J'épingle les deux côtés. Et hop, c'est parti sur l'autre côté. J'assemble le tout en piqûre droite et en piqûre zigzag. Le rebord que j'obtiens, je vais le replier à 1 cm en dessous de la couture, ce qui va me former un pli. Ce pli, je l'épingle. De chaque côté. Et je vais faire un point de maintien. De façon à obtenir le même niveau de chaque côté lorsque j'assemblerai les côtés de ma robe. La petite piqûre sur le côté est faite. Maintenant, je vais assembler mes manches. Je commence par le devant, je mets de mon cran, j'épingle le tout. Je refais la même chose de l'autre côté, vous l'avez deviné. Mes manches sont assemblées et maintenant je retourne le tout. J'épingle les côtés en posant la couture de l'emmanchure bord à bord. J'épingle ma manche et ensuite le côté. Une fois que mes côtés sont assemblés, je fais un rentré-piqué pour le relais du bas, c'est-à-dire je replie deux fois mon tissu et je pique à 2 cm du bord. Pour le relais du bas de manche, j'ai pris 15 cm pour que ça soit plus fin. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très très vite.